Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, c'est pour parler du coup de poignard de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale au peuple congolais. Notre sujet du jour, c'est pour parler du dialogue inclusif que propose Monsieur Luceni Fall, François Luceni Fall, au Conseil de sécurité pour le Congo. Donc Monsieur François Luceni était devant le Conseil de sécurité le 6 décembre. Donc il a proposé au Conseil de sécurité d'appuyer ces propositions concernant le Congo. Donc, concernant le Congo, nous allons parler de ces propositions, mais avant, écoutons d'abord notre frère Jacques Loubello, l'éternel Jacques Loubello, et après, on va passer à un autre sujet. Merci, merci, merci à notre papa qui est désormais éternel, qui vit toujours à travers ses chansons. Jacques Loubello, merci, merci, merci. Non, revenons-en à notre sujet du jour. L'envoyé de l'ONU en Afrique centrale a appelé à la tenue d'un dialogue inclusif au Congo devant le Conseil de sécurité. Ce n'est pas le Conseil de sécurité qui a proposé ce dialogue, mais c'est lui qui est parti présenter la situation du Congo, donc la situation de l'Afrique centrale en général et la situation du Congo. Donc il a donné des pistes pour que le Conseil de sécurité puisse l'appuyer. Donc la balle est maintenant du côté du Conseil de sécurité. Sachant que M.
Lousseni Fall, c'est un Guinéen. Il a été ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Nous savons qui l'a placé là-bas. Voilà, nous savons qui l'a placé là-bas. Pour l'Afrique centrale, il y a toujours eu des Ouest-Africains francophones. La dernière fois, c'était monsieur, comment l'appeler là, Bakili ou Batili. Et maintenant, c'est monsieur Fall. Ça a toujours été des Ouest-Africains. Ça, nous savons que c'est la France-Afrique qui est derrière. Voilà, c'est la France-Afrique qui est derrière. Il a été placé là-bas pour ça, pour aider Sassou Nguesso. Ne nous trompons pas. Donc, la proposition de M. Lousseni Fall au Conseil de sécurité, c'est pour aider Sassou Nguesso. C'est pour aider Sassou Nguesso. Donc, nous allons lire cette proposition qu'il a présentée au Conseil de sécurité concernant le Congo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quant à la République du Congo, il a estimé qu'il fallait poursuivre les efforts visant à créer un environnement politique favorable à la tenue de l'élection présidentielle en 2021. Il a appelé les autorités nationales et toutes les parties prenantes à unir leurs efforts afin de contribuer à la tenue d'un dialogue véritablement inclusif et constructif, ce qui créera un environnement favorable à la consolidation de la paix et les conditions propices à la tenue d'une élection présidentielle apaisée, inclusive et crédible. Le diable se trouve dans les détails. Le diable se trouve dans le détail, sachant que le français, ce n'est pas notre langue. Donc, c'est pour cela, face aux déclarations des gens qui sont manipulés par la France-Afrique, il faut vraiment aller dans les détails. Dans les détails. Parce que si vous restez sur le plan superficiel, vous êtes perdu. Donc, premièrement, avant d'analyser ce qu'il vient de dire, il faut déjà avoir à l'esprit pour chaque Congolais, quelle est la raison première de la démocratie? Quelle est la raison première de la démocratie? Est-ce que ce que monsieur Lousseni Fall est parti exposer au Conseil de sécurité pour comme proposition va dans le sens de la démocratie, garantit la démocratie. Donc, il faut faire extrêmement attention. Quelle est la condition première, la raison d'être de la démocratie pour nous Congolais? Pourquoi nous nous battons pour la démocratie? Pourquoi? Parce que la démocratie dit tous les Congolais, tous les Congolais, tous les Congolais sont semblables. Tous les Congolais sont semblables. Sassou ne peut pas être une exception. Et on ne peut pas faire une différence entre les Congolais. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a compris que l'enjeu, c'est la démocratie, il faut se mettre aussi à l'esprit que le Congo est convoité par tout le monde. Au Congo, l'enjeu, ce n'est pas le tribalisme. Hein. Le Congo a des minerais, le Congo a du pétrole, le Congo a le bois. Donc, il y a des ressources à la fois naturelles, il y a des ressources à la fois minérales, végétales. Il y a beaucoup de ressources au Congo. Il y a beaucoup de ressources au Congo. Donc l'enjeu au Congo, ce n'est pas le tribalisme. L'enjeu, c'est le contrôle des matières premières. L'enjeu, c'est le contrôle du pétrole. L'enjeu, c'est le contrôle géopolitique de notre pays. L'enjeu, c'est ça. Donc, s'il y a des gens qui pensent que l'enjeu, c'est le tribalisme, ils sont perdus.
Donc, de quoi nous parlons ici? Nous allons maintenant analyser point par point. Est-ce que le diable se trouve dans le détail, hein? Si on oublie les détails, on est perdu. Si on oublie les détails, on est perdu. Donc, l'enjeu n'est pas seulement politique aussi. L'enjeu n'est pas politique. L'enjeu est multidimensionnel. Il est à la fois politique, il est à la fois social, il est à la fois économique, il est à la fois culturel. Donc, géopolitique aussi. Attention, attention. Donc, monsieur Lucenifal, c'est pas pour rien qu'il est parti présenter cette proposition au niveau du Conseil de sécurité. Sachant que le Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents. Pour ceux qui l'ont oublié, nous avons la France, nous avons les États-Unis, nous avons la Chine, nous avons la Russie et nous avons l'Angleterre. Voilà les 5 membres permanents. C'est eux qui décident de tout. Mais si monsieur Lucenifal Fall a eu ce culot d'aller présenter ça, parce que derrière lui, il y a un membre permanent du Conseil de sécurité. Parce que sinon, on devait rejeter sa copie. Parce que ça ne reflète pas la situation du Congo. Donc c'est à nous, Congolais, de se battre, de montrer au Conseil de sécurité que ce que monsieur François Lucenifal est venu présenter au Conseil de sécurité ne reflète pas la réalité sur le terrain. Le dialogue inclusif entre Sassou et les parties prenantes. Attention, il parle des autorités et des parties prenantes. Dialogue veut dire, dia veut dire deux. Donc il y a deux parties. Mais or actuellement, la situation du Congo, ce n'est pas une situation de deux parties. Ce n'est pas une situation de deux parties, la situation. Dialoguer, ça signifie deux. Dialoguer, deux opinions contradictoires. Donc faire asseoir deux opinions diamétralement opposées qu'on ne peut pas concilier. Voilà. Qui peuvent aller jusqu'à la guerre, par exemple. Or, actuellement, au Congo, il n'y a pas deux parties prenantes. Donc, la crise que traverse le Congo, c'est une crise multidimensionnelle. La politique, c'est une partie. Il y a une crise sociale. Donc, le FMI n'est pas. Mais ça fait partie des organes des Nations Unies. Mais pourquoi le Conseil de sécurité ne regarde pas les propositions que le FMI a fait, les mesures que le FMI a proposées au Congo pour sortir de la crise. Donc le problème du Congo ne se limite pas à ça. Ça ne peut pas être le dialogue inclusif. Inclusif. Mais qui on va inclure, qui on va exclure? Nous, Congolais, nous savons que quand on parle du dialogue inclusif chez nous, au Congo, ce n'est pas tous les Congolais qui sont invités. On a vu le dialogue inclusif de Dolisie, de Sibiti, de Vaux. C'était quoi? On avait inclus seulement tous les francs-maçons congolais. Tous les autres partis circulaient, tous les autres Congolais circulaient à rien à voir. Donc, dans notre culture congolaise, quand plus rien ne va, quand l'avenir semble être hypothéqué, on se retrouvait, même au monopartisme, on faisait des conférences nationales. Donc, les conférences nationales, on les invitait toutes, on disait, toutes les organisations de masse, on l'appelait ça à l'époque du monopartisme. À la conférence nationale, c'est toutes les forces vives du pays qui sont invitées pour venir parler de la situation du pays, parce que la situation du Congo n'est pas que politique. La situation du Congo est multidimensionnelle. Elle est à la fois économique, socioculturelle, elle est à la fois géopolitique aussi, hein, politique aussi. Donc, tout est à terre
Donc, on ne peut pas se contenter d'un dialogue. C'est comme s'il y avait une guerre. Mais quand M. Lou Sénifal parle des autorités et des autres parties prenantes, c'est l'autre partie prenante, c'est Ntoumi. Mais Ntoumi est avec Sassou. Ntoumi est avec Sassou. Ntoumi, c'est un cheval de Troie que Sassou avait mis dans le poule. Avec qui? L'opposition? Quelle opposition? C'est les Mathias, non? Les Bouaou, les Mounari, les... Qui d'autre, là? Hein? Les Mabio? Mais non, mais c'est des agents de Sassou, ça. Même si Mabio a fait une déclaration à Ponal, mais il travaille pour Sassou, il a été député. Quand Sassou bombardait dans le département du Poule, Mabio était où? Mabio qui fait appel aux humanistes, il était où quand Sassou bombardait dans le département du Poule? Quand Sassou a cassé les maisons, quand Sassou a tout détruit, Mabio était où? Mais vraiment, il y a des gens qui sont sans gêne. Hein? On n'a entendu parler personne. Ce que nous voulons, ce n'est pas le dialogue inclusif. Même si on met le mot véritablement inclusif, mais ça ne nous intéresse pas. Dialoguer, ça signifie deux, être deux. Au Congo, actuellement, Sassou Nguesso est haï partout. Sur le plan, il a tué la culture. Il a tué tout. Donc, ce n'est pas un dialogue inclusif. Hein, qui va sortir le Congo de la situation où il se trouve. Nous voulons une conférence nationale, une concertation à l'image du Mbongi, à l'image du Mbongi. Tous les Congolais doivent être là, ceux qui le souhaitent. Donc, les confessions religieuses, les syndicats, les associations, les partis politiques, les individualités, sans exclusion aucune. Chaque Congolais a le droit d'aller dire ce qu'il pense de la situation du pays. C'est ce que nous voulons. Mais nous ne voulons pas de dialogue véritablement inclusif entre le gouvernement et les autres parties prenantes. Les autres parties prenantes, c'est lesquelles? À qui M. Fall fait allusion? À l'opposition? Ntoumi, il est où Ntoumi? On ne le voit même pas. Il est où? On ne le voit même pas. Donc, attention, peuple congolais, le diable se trouve dans les détails. Est-ce que ce que propose Monsieur Lou Sénifal peut nous apporter la démocratie, peut nous apporter les libertés? Mais non, ça c'est pour encore nous enchaîner. C'est pour encore nous enfoncer au fond de la lima. C'est pas ça que nous voulons. Monsieur, il est culotté, ce monsieur. Il va là-bas, il parle même pas des opposants qui sont en prison. Il va là-bas, il parle même pas de la situation du pays. Hein? C'est ça qui devait le motiver. Le Congo est en crise, le FMI, il est sous perfusion du FMI. Moi, je pense qu'il faut que le Conseil de sécurité appuie, voilà, l'idée, voilà, d'une conférence nationale pour sortir ce pays. De là où il se trouve. C'est ça qui devait dire là-bas, qui devait proposer au Conseil de sécurité. Il est parti là-bas, ça se lui a arrosé d'Enguiri, et voilà, il va là-bas, il perd la tête, il parle de deux parties prenantes. Mais où est-ce qu'il a vu les deux parties prenantes au Congo? Il y a le gouvernement et les autres, et l'autre partie, c'est quelle? Les Mathias Nzo? Les Mounari? Les Bowao? Les Parfait Kolela? Les Tsadi Mabiala? Mais il est fou, ce monsieur. Mais chez lui, là-bas, ça ne brûle pas. Mais en Guinée, ça brûle, là-bas. Il ne voit pas les Guinéens sont dehors. Mais pourquoi le Ouest africain trahit toujours l'Afrique centrale? Quand des Brazzas viennent pour faire la conquête, quand les Brazzas pour faire la conquête de l'Afrique centrale, donc du Congo français, donc Gabon, Centrafrique, et le moyen Congo, donc le Congo, Brazza, c'est le Ouest africain qui était à côté. Les miliciens, c'est eux. Quand ils viennent, papa, quand ils viennent, quand ils ont fait la colonisation, toujours, les Ouest-Africains, les Popos, les Dahoméens, les machins, tout ça, ils étaient tous. Et ils nous narguaient. Ils nous narguaient, ils nous traitaient comme des sous-hommes. Pourquoi les Ouest-Africains trahissent toujours l'Afrique? Monsieur Louceni, là, mais c'est un malade mental. Chez lui, là-bas, ça brûle. Qui commence déjà à aller donner des conseils à Alpha Condé, qui veut modifier la constitution. Mais c'est quoi ça, ces gens-là? C'est quoi?
Voilà pourquoi on dit l'enjeu, ce n'est pas le tribalisme. L'enjeu, c'est mettre la main sur les richesses du Congo. Il y a un lobby qui a mis la main à travers Sassou sur les richesses du Congo. Ben, il ne veut pas perdre. Il veut que Sassou reste. Si possible, il laisse son fils. Donc, attention, le diable se trouve dans le détail. Nous allons relire sa proposition au Conseil de sécurité. Parce qu'il veut quoi? Il veut que le Conseil de sécurité puisse accepter, prendre une résolution concernant le Congo sur ce qu'il a proposé. Donc pour lui, il faut que les élections soient maintenues en 2021. Mais quelle élection on va maintenir en 2021? Mais il ne sait pas que nous sortons d'une crise. Mais il ne peut pas y avoir d'élection si la commission électorale n'est pas réellement indépendante. Il ne peut pas y avoir élection si les moyens d'État sont toujours entre les mains de Sassou Nguesso. Il ne peut pas y avoir d'élection si les listes électorales ne sont pas révisées, si on ne fait pas l'audit des listes électorales. Il ne peut pas y avoir élection au Congo si chaque Congolais n'a pas de pièce d'identité. Mais ça, mais c'est pas le dialogue inclusif, même s'il met dialogue réellement, véritablement inclusif et constructif qui va nous donner ça. Mais non, ça ne peut pas, puisque Evo ne nous a jamais donné ça. Delizy ne nous a jamais donné ça. Et Sibiki ne nous a jamais donné ça. Donc ce n'est pas ce que lui propose qui va nous donner ça. C'est une conférence nationale. On fait l'autopsie du pays. Tous les Congolais se retrouvent. C'est ça, l'enjeu. L'enjeu, c'est ça. Et quand il dit, il nous parle de la tenue, il a appelé les autorités nationales et toutes les autres parties prenantes à s'unir. Quelles sont les autres parties prenantes à s'unir? Il n'y a pas d'autres parties prenantes. Il y a Sassou et Sassou contre les Congolais. Donc, il ne faut pas diviser les Congolais. Les Congolais, ceux qui le souhaitent, doivent aller à une concertation. Chaque pays a ses spécificités. Nous, Congolais, par rapport à notre culture, à notre histoire, la culture de Mbongi que le général Moukoko a revalorisé en faisant du Mbongi son symbole. Bon, voilà, nous voulons nous asseoir. Le plus idiot qui soit là, l'élite qui soit là, les religieux qui soient là, même les mamans qui ont des moziki, il faut qu'ils soient là, les confessions religieuses, tous, on se retrouve, on parle de la situation du Congo, où on était, où nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller. Voilà, c'est ça. On va exorciser nos démons par la conférence nationale souveraine, mais pas par le dialogue inclusif. Dialogue inclusif, quoi? Ma bio commence à parler de... Oui, je fais appel aux humanismes, aux Boao, mais il est malade, ma bio, là. Mais il est malade, ce monsieur. Boao qui n'a pas proclamé les résultats qu'on lui avait donnés de Pointe-Noire et du Nord, de la partie Nord pendant les élections. Boao qui a sauvé Sassou, qui a trahi le général Mokoko. Il l'appelle humanisme. Mais vous êtes malades tous là. Mais si c'est ça l'élite, mais c'est pas la peine. Le Congo est foutu. Le Congo est foutu. Boao, il n'a qu'à d'abord nous publier les résultats. Les résultats qu'il n'a pas publiés, peut-être qu'il a brûlé, qu'il a utilisé comme papier hygiénique. Là, non. Là, non. Vraiment, nous sommes face à un complot contre le Congo. Voilà pourquoi nous disons le problème du Congo n'est pas seulement politique. Nous devons encourager aujourd'hui, dès aujourd'hui, nous devons encourager les syndicalistes, les associations de défense des droits de l'homme. Nous devons encourager dès aujourd'hui un bras de fer social. Ce n'est pas politique, un bras de fer social. Que chacun joue sa partition. Les syndicalistes doivent appeler à une mobilisation pour la bonne gouvernance. Parce que si on ne paye pas les retraités, c'est parce qu'il n'y a pas eu une bonne gouvernance. Si les salaires ne passent pas, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne gouvernance. On doit appeler à une mobilisation pour lutter contre la corruption. Parce qu'il y a
il n'y a pas très longtemps, l'enfant de Sassou qui a été épinglé dans une affaire de malversation financière. Donc, il faut engager dès maintenant un bras de fer social. Politique, il va tirer, mais un bras de fer social. Les syndicalistes ou les syndicats doivent mettre le pays en mouvement socialement, en mobilisant les chômeurs, les retraités, les salariés. Voilà, c'est par là que le Conseil de sécurité comprendra que le problème du Congo n'est pas le dialogue inclusif qu'il demande. Ce n'est pas le dialogue inclusif. Le problème du Congo, c'est une crise de fond, une crise multidimensionnelle. Voilà. Appelons à une manifestation, hein, pour la bonne gouvernance. Appelons à une manifestation pour la bonne gouvernance. C'est de bonne guerre. Ce n'est pas pour chasser le pour Sassou Nguesso du pouvoir, mais pour montrer que la crise du Congo est multidimensionnelle. Ce n'est pas le dialogue inclusif qui va le résoudre. C'est une conférence nationale. Appelons à une manifestation pour la bonne gouvernance de nos ressources. Hein? Appelons ça. Et pour la lutte, appelons à une manière pour lutter contre la corruption. Parce qu'on ne lutte pas contre la corruption. Qui circule encore? Il y a eu y a des documents, des vidéos, des témoignages qui confirment que ce monsieur est mouillé dans les malversations financières, dans la corruption. Mais il n'a pas été arrêté, il n'est pas inquiété. Mais que fait le procureur de la République du Congo? Donc il y a beaucoup de choses. L'objectif de cette manifestation ne sera pas de chasser Sassou, mais de montrer au Conseil de sécurité que le problème du Congo est multidimensionnel. Ça ne peut pas être résolu par le dialogue inclusif de ce Bukuteur-là, hein, de ce Guinéen, de ce Ouest-Africain, monsieur Luceni, je sais pas, Camara, Luceni Fall, je sais pas, ah là là, Luceni Fall, ça peut pas être ça. Donc notre problème, c'est plus profond que ça. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Attention, le diable se trouve dans les détails. Je vois déjà des gens commencent à applaudir. Oui, le Conseil de sécurité a demandé la tenue d'un dialogue inclusif. Ce n'est pas le Conseil de sécurité qui demande. C'est M. Fall qui est parti proposer. Donc, il veut que le Conseil de sécurité puisse adopter ce que lui propose pour faire de ça une résolution, pour que ce soit une feuille de route. Donc, si M. Luceni Fall a présenté ça, a proposé ça au Conseil de sécurité, c'est que derrière M. Luceni Fall, il y a une grande puissance, il y a un membre permanent. Nous savons tout ce qui est derrière M. Luceni Fall. Attention. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci. Au revoir. Je vous laisse avec notre frère Jacques Lubello. Le problème du Congo n'est pas le tribalisme. Le problème du Congo, c'est, attention, la démocratie, les libertés. Ceux qui sont derrière M. Luceni Fall, ils veulent mettre la main sur les richesses, comme ils ont déjà. C'est eux qui ont la main, hein, sur les richesses du Congo. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir et ciao. Oh.
Ringanae.